maison qui a 5 minutes de chez lui. Ah oui, d'accord. Parce que ça a été fait un peu à l'arrache. Donc, c'est ça qui nous a appris ça. C'est pas mal, hein, c'est léger. Hein. On est bien là. C'est bon à l'autre bout. C'est bon. Est-ce qu'on voit tous les personnages? Ouais, c'est bon alors. C'est bon. À peine assez tendu vers toi. Tu tires encore un peu. Juin 2022, on n'attend pas. Entre Macron, encore à l'Élysée, rien de bon à espérer, tout à redouter, on n'attend pas. 13 millions de voix pour l'extrême droite, le fascisme en embuscade, on n'a pas le temps. Côte d'alerte dépassée pour la planète, pour le vivant, on n'a pas le temps.
Réfugiés sacrifiés, sans papiers, pourchassés et surexploités, on n'a pas le temps. Les prix qui explosent, des milliards pour les grands patrons, mourir au travail ou crever au chômage, on n'a plus le temps. Crimes racisme, féminicide, crimes policiers, on n'a plus le temps. Alors on n'attend pas. L'égalité des droits pour toutes, c'est maintenant. Liberté de circuler, de manifester, régularisation des sans-papiers, c'est maintenant. Justice sociale et climatique, c'est maintenant. Pas de fascisme dans nos quartiers, c'est maintenant. Le pouvoir de vivre, c'est maintenant. Pour être ensemble, pour être visible, pour s'organiser, on n'attend pas. Manifestons ensemble dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos facs, dans nos lycées, dans nos ruralités. Notre pays et notre monde s'appellent solidarité.